Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette alimentation. Bon, avec il est livré un cordon d'alimentation qui mesure 1m40, des cordons pour multimètre, et un autre cordon avec des pinces croco. La notice, elle est en plusieurs langues. Voici les caractéristiques techniques. Donc euh, elle va de 0 à 10 ampères, de 0 à 30 volts. On a une sortie 5 volts 2 ampères. Euh, L'ondulation est de 20 millivolts. La précision de l'afficheur, c'est de 0,1%. On a ici une poignée de transport, une bonne aération. À l'arrière, on y trouve un ventilateur qui se mettra en route que quand l'alimentation arrive à une certaine température. Ici, on a un fusible de protection pour le secteur. Et ici, un sélecteur de tension. Ici, on a les bandes de sortie. Le bouton marche arrêt. Une sortie USB 5V2A. L'afficheur pour la puissance l'intensité et la tension. Ici, on a les réglages pour la tension, donc réglage grossier, réglage fin, et ici le réglage pour l'intensité, réglage grossier et réglage fin. Les potentiomètres, c'est pas des multitours, c'est pour ça qu'on a un réglage fin. Je vais maintenant faire un essai pour voir jusqu'à combien on monte en tension. Donc le maximum c'est 32 volts. Donc là j'ai branché à 1 voltmètre pour contrôler la précision de l'afficheur. On a une dizaine de millivolts d'écart. Et je précise qu'il est possible de réétalonner à l'intérieur. J'essaie maintenant l'ampère Donc pour 1 ampère je trouve 1 ampère 0,1. Sur la sortie 5 volts, je trouve 5V1. Je vais maintenant faire un petit test de limitation de courant. Je vais me régler à 500 mA. Donc si je monte la tension, le courant est bien stable. Et pour finir, maintenant je vais faire un essai de charge pour voir si elle chute en tension. Donc, je l'ai réglé sur 12 volts. Donc le ventilo vient de se mettre en route. Bon, voici la vue de l'intérieur. C'est une alimentation à découpage. On peut voir ici les transistors MOSFET qui sont refroidis par le ventilateur. Ici, on peut voir le transformateur. On peut apercevoir le circuit de filtrage et de parasitage. Et là, le pont de diode. Ici, on a le fil d'arrivée secteur. Et on a l'interrupteur qui coupe là. Mais juste un conducteur. Ici, on a les deux vis d'étalonnage. Donc celle du haut, c'est pour le voltmètre, et celle du bas pour l'ampèremètre. Sinon, dans l'ensemble, c'est super propre. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Si vous recherchez une alimentation avec un excellent rapport qualité-prix, je vous la recommande. Si elle vous intéresse, je vous laisse le lien dans la description. Allez, salut, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.